Hosanna à ton nom. Le Jésus Saint. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un a fait prier Alléluia. Amen. 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 Ewana nu pleusen. Cette nuit, l'Éternel ton Dieu, il te fera pour toi avec force et puissance. Amen. Amen. L'Éternel ton Dieu te répondra avec force et puissance. La Bible nous dit, le premier roi, chapitre 18, verset 38. Premier roi, chapitre 18. Il a invoqué le feu. Le feu a consumé l'holocauste. Il a consumé les bois. Il a consumé les pierres. Il a consumé l'eau. Et a consumé la poussière aussi. Cette nuit, le feu de Dieu. Tout ce qui est bloqué dans ta vie. Le feu de Dieu va consumer tout au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Le feu de Dieu consumera tout dans ta vie. Ah, vos debout. N'importe quel hôtel. C'est lequel a déposé ton la sujet. De et cela œuvre dans ta vie. Ton affaire, vos le feu de Dieu consumera cet hôtel. Le feu était descendu. Le sacrifice qui était sur l'autel. Le feu a consumé le sacrifice. Consumé les bois. Consumé les pierres. Consumé même dans le trophée. Il a consumé tout. Et consumer aussi la poussière. Je suis venu dire à quelqu'un. Il était fort longtemps tu cherchais quelque chose. Ça s'attardait, tu n'as pas trouvé. Quel que soit les blocages de cette chose dans ta vie, et tu n'as pas trouvé. Le feu de Dieu consumera les blocages. Le feu de Dieu consumera les blocages. Tout ce qui est ton blocage. N'importe quel blocage. L'homme qui t'a bloqué la voie. Quiconque t'a bloqué la voie. Aujourd'hui, le feu de Dieu ira les consumer. On a fait azote. Et consumer les œuvres. Et là, azote ton le blé de Jésus. Et les œuvres au nom de Jésus. Tu honnons des grands alléluia. Je ne sais pas quelle force t'as. Tu ne bats Dieu. Je ne sais pas quelque chose. Tu fais des abagmons. Là où tu allais chercher. Tu prenais des abanas. Depuis quand tu as cherché. Mais le coup d'un tour. Mais la seule chose que je sais. Badanuelo. Cette nuit. Ne bats Dieu. C'est que tu cherches. Moi, on a zénué le Jésus. Le Seigneur.
te remettra ce nom. Le Seigneur te confiera ces choses. Avant de quitter ici, tout ce que tu as fait, ce qu'on t'a voulu, ce qu'on t'a ravi, le Seigneur te restituera toutes ces choses. L'Éternel dit à Josué, la terre dont j'avais promis à Moïse, c'est ce que tu as promis. Moïse ne peut plus aller. Il ne peut plus aller. Mais toi, tu iras posséder cette terre là. On l'avait retiré de la main forte. C'est même pas en le temps qu'on l'avait retiré. On l'avait retiré. Les Éviens avaient occupé cette terre. Cinq races avaient occupé la terre. Si c'était. Mais dis Josué, toi tu iras. Pour posséder cette terre. Écoute-moi cette terre. Ta terre qu'on t'a ravi. Ah, nous l'avons général, nous l'avons bien plus de quoi poser avec moi. Tout est inclus. On t'a pris cela. Dieu te retournera cela. Et dans Josué, il dit Josué, va prendre la terre. Bon, Josué, il était allé posséder la terre de Cana. À partir d'aujourd'hui, la terre de ta vie, la terre même, quand t'as ravi, tu vas posséder cette terre au nom de Jésus. Tu vas reprendre. Dis à quelqu'un, je vais reprendre mes terres. Parce que cette terre appartient à l'Éternel. Et on m'avait ravi cela. Depuis les ancêtres. Et je n'avais plus droit à cela. Je reprends cette terre. Je reprends cette terre. Amen. Amen. La Bible dans le 1er Samuel 30. La Bible dit dans 1er Samuel chapitre 30. David n'aime aussi crash bonan leko. Avant que David n'aille. Bonan leko si crash. Pour retourner de Siklage. Ah, eko aboa bemeton. Il était venu ramasser leur patrimoine. Ils ont ramassé leur patrimoine. Ils ont ramassé leur richesse. Tout ce qu'il avait. Il ne restait rien. Bon, mais que David leko il est. Et les compagnons de David. Bible. Ils étaient vraiment furieux. Et ils voulaient lancer des pieds à David. David n'avait rien dit. David a questionné Dieu. Seigneur, si je le poursuis, je pourrais les attraper. Je peux reprendre ce que je voulais. Dieu dit oui. Et David les poursuivait pour reprendre tout ce qu'il avait volé. Aujourd'hui, tu vas poursuivre tes ennemis pour retirer tes pieds. Tu n'as pas compris. Tu vas poursuivre tes ennemis. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher de gauche à droite. Tu vas parler sur le vent. Et ta parole ira les cibler. Pour te retourner ta bien. Donc maintenant, quelqu'un va poursuivre ton lèvre. Pour retourner sa bien. Retourner sa gloire. Retourner sa bénédiction. Reprends tout ce qu'on avait volé dans sa vie. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Je ne sais pas. Mais l'éternel des amis. Reprends tout ce qu'on t'avait volé au nom de Jésus. Il va te reprendre ta gloire. Ton élévation. Ta gloire. Ton élévation. Ta vie en paix. Ta bonne santé. Quiconque te poursuivait. L'Éternel les poursuivra à partir de cette nuit pour te retourner ta gloire. Je ne sais pas ce qu'on t'a arraché. Peut-être c'est la grandeur de la vie. Peut-être c'est ta destinée. Mais quoi qu'en soit, ton temps arraché aujourd'hui, l'Éternel des amis,
choses au nom de Jésus. Ah, moi, donne Moïse. Je disais à donne Moïse. Donne-nous Israël Simbile. Dieu, enfant d'Israël. Les ennemis que vous les voyez. Vous ne les voyez plus. Qu'est-ce que vous les voyez. L'ennemi que tu vois. Il te maltraite. Il te poursuit. Il ne veut pas retourner. En partie de ce soir, tu ne les verras plus au nom de Jésus. Tu ne les verras plus au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a situé. Je ne sais pas ce qui t'ont arraché. Il a situé. C'est ton appui de toi. Alors, qui te chasse? Qui t'a arrêté? Depuis quand t'as arrêté? Aujourd'hui, il tient lieu de la restitution de ta vie. Au moment où je parle instantanément, ta vie te sont restituée au nom de Jésus. On te retourne ta vie au nom de Jésus. Tu vas prier. Et tu diras à Dieu. Ah. Ah. Ma tête qui est dans le sang de l'ennemi. Et l'ennemi a arraché ma tête. Et il a mis dans le sang derrière sa chambre. Sous son lit. Seigneur, retire-moi ma tête aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. On l'a arraché sa tête. Dans le plat, dans un plateau. Amen. Amen. Mais. Ouais. Toi. Vis-moi autour. Tu es enfant de Dieu. Et tatouinant bibare. Qu'est-ce que ta tête cherchera? Le mené vos saints bébés. Dans la maison d'autrui. Le lit mené vos tongles. Sous le lit d'autrui. Et t'es baïnandé. Qu'est-ce que ta tête cherchera là-bas? Amen. Amen. À mon point. Hein? Tu n'as jamais vu des choses. À mon point. Tu n'as jamais vu des choses. Et t'es ma ville en Jordan et le lit mené vos tongles. Ton enfant que tu devrais mettre au monde, qu'est-ce que cet enfant serait en train de chercher le sous le lit? Le céling, mais. Dans le céling. Et t'es baïnandé. Qu'est-ce qu'il cherche? On a vu des différents cas comme ça. On a vu plusieurs cas comme ça. Tu diras à Dieu. Quiconque a gardé ma tête. Quiconque a gardé ma tête. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Je retiens ma tête de sa tête. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quiconque m'a rabaissé. Et il a rabaissé ma tête. Et qui m'empêche de soulever la tête. La semaine dernière, on a écouté le témoignage de Jésus. Tout le monde avait les têtes baissées. Personne ne peut oser regarder le visage de l'esprit. Mais l'esprit mauvais était à l'étage. Et depuis haut, la chicotte qu'il avait en main. Et son roseau était vraiment du haut jusqu'en bas. Et quiconque soulève la tête, il va chicoter la personne. Elle était la seule à soulever sa tête. Regardez le visage de l'esprit. Et là, elle a regardé le visage de l'esprit. Tu vas dire, Seigneur, qui t'a rabaissé ma tête? Il m'empêche d'être dedans. Je ne peux pas faire bien. Oh, Seigneur, je te dis, reprends ma tête de la main, puis au nom de Jésus. Thank you.
Le chaise c'est une comme un pour elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Andon ma meyi nous tindo chez ainsi. Tu diras Dieu qui compte à la vie mais. Quoi de nazan le wélogle. L'argent que je vais utiliser. Gagbede nawa le wélogle. Le bien que je dois faire. Gigode nazan le wélogle. La gloire que je vais utiliser. Mais koyi bolozinzan wélé. Qui compte ma ravi ces choses. Aider aux zinzan do tenche mewé. Il est bénéfique de ces choses. Mais aider aux zinzan tenche mewé. C'est pour moi. Et be moi boa bio d'agbede. Seigneur, je viens aujourd'hui réclamer mes biens. Mende bude si en le mende. Qui compte avec la personne? Oh, reste et bien mon Dieu. Ça c'est un ordre. Bon, et j'ordonne. Bon. Je vous ordonne. Dès le Jésus Seigneur. Retournez ma pierre au nom de Jésus. Le Jésus Saint, comme un mieux pour elle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un chukou djema était un homme blonde. Si on voit un chien enragé, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Était un homme blonde. Hein? Eh oh. Et non, oui. On le tue. Amen. Amen. En un moment. Tu diras à Dieu. Bibode boudena bio kalinde djema melo. Voit ton auditeur le droit. Quel que soit l'esprit qui va rentrer ou bien l'incarnation de n'importe quel esprit dans n'importe quel animal qui va me visiter dans mon rêve. N'importe quel esprit qui va prendre corps dans un animal qui en rage pour me surprendre subitement. Seigneur, tue l'animal. Amen. 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 Le sorcier peut rentrer dans un chien enragé. Tu vas croire que c'est le rêve. Et tu vas négliger ce rêve. Mais ça, c'est ça qui va te tuer. Donc, avant qu'il ne te tue, alors devance-le pour le tuer. Tu diras Dieu. N'importe quel animal qui sera utilisé contre ma vie, dans mes rêves. Et l'animal réussira à me tuer. Je tue l'animal. Seigneur, tue l'animal. Attends. Nous allons revenir là-dessus. Et nous allons voir trois différentes choses. Le Seigneur a interdit cette chose. Trois. Nous allons revenir sur ces trois choses. Avec le je te montrerai ces trois différentes choses dont la Bible nous dit de ne pas laisser ces choses. Et quand ces choses te livrent combat, tu ne peux pas les laisser. C'est dans la Bible qu'on va te montrer. Amen. Amen. Tu diras à Dieu, quelle que soit la chose qui me visite dans mes rêves et qui ravit mes biens et qui détruit ma vie, détruit ma destinée, détruit mon environnement, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, sacrifie ces choses. Jésus, prie au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à Dieu, n'importe quel cadeau qui substituera ma vie, n'importe quel cadeau qu'on va me donner pour substituer ma vie physiquement ou spirituellement, Seigneur, que ton feu consume ce cadeau. Il ne trouve même pas d'ici pour me visiter. Il ne trouve même pas de voir. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Étends tes deux mains comme si tu veux recevoir. Jésus. 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 On est pour le pauvre ménageur. Ça fait 10, il nous reste 11 à appeler. Des ménageurs pour nous couper nos poils. Quand nous allons finir les 21, d'habitude, on a des bibas et mon Dieu. Tes biens vont te cibler. Et on a l'autre ménageur. Ils vont tomber dans tes mains. Ça, c'est un ordre. Quand nous allons finir les 11, les anges vont chercher tes biens et tes bénédictions. N'importe où tes bénédictions sont, n'importe où tes bénédictions sont, ils vont te chercher cela. Jésus. 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 Il nous reste une seule fois. Le seul qui reste que je vais appeler. Ton ciel s'ouvrira. Et ton miracle va commencer. N'importe où ton bien. Les anges vont te les ramener. Les portes qui étaient fermées contre toi. Les anges vont ouvrir ces portes. Ces portes d'élévation te seront ouvertes. Les portes de gloire te seront ouvertes. Tout ce qu'on t'avait volé depuis des années et ta main ne peut pas toucher. Les anges vont te reprendre ces choses cette nuit. Il y a des gens qui, à partir de cette nuit, vont recevoir le miracle au nom de Jésus. Avant la fin de l'année, le changement te serait donné. Le changement, le miracle te serait apporté. Oh Dieu Père, oh Mau vie, oh Dieu Fils, Mau Dieu Saint-Esprit. Quand je vais appeler Jésus la dernière fois, j'ordonne aux anges. Oh Saint, n'importe où ces biens sont, ces bien-aimés, n'importe où leurs biens se trouvent. Que ça soit sous la mer, que ça soit au tréfonds de la mer, sous la terre, dans le ciel, dans les bas-fonds, n'importe où leurs biens se trouvent. Seigneur, retourne les biens au nom de Jésus. Je vais te lire un passage. C'est assurément que tu dois prendre pour toi. Abdias 5. Nous allons lire dans le livre d'Abdias. Abdias 5. Abdias 5.
chapitre 1, verset 2 à 4. Abdias, verset 2 au verset 4. La Bible nous dit, « Voici, je te rendrai petit parmi les nations. » Dotomi, kento tu le besi egbe. Écoutez, Jérémie. Ma ou nazi ewuzu kwevi lo mele tenti. Ton Dieu les rendra petits parmi les nations. Mais yaga. Celui qui est nassé. Il y avait de pouvoir. Et qui déploie son autorité sur toi. Aujourd'hui, ils seront sous tes pieds. Mais là, les gens ne sont pas ici. Mm-hmm. Les bobés. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet du plus grand mépris. Éternel. On parle de tes ennemis. Je n'aime pas. Abi? Oui. Le plus grand mépris qui n'a pas de valeur. Il sera cette chose. Quiconque a fait ravi ta gloire, tes ennemis, tes prisons ont pris. Ton Dieu les rendra plus grands qu'un mépris devant toi. Verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Oh, mon goyi, ton mewaïze do ten loko me, et do en jete, si en gawa ten loko me goyi ton. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle. À partir d'aujourd'hui, n'importe quel enfant qui t'avait rabaissé, qui se moquait de toi, il est précipité à terre ce soir au nom de Jésus. Il est ramené à terre au nom de Jésus. Il disait dans son cœur, qui peut me précipiter jusqu'à terre? Mais aujourd'hui, n'importe quel enfant qui te maltraite, subitement ils vont se retrouver à terre au nom de Jésus. Et tu seras en haut. Tu seras grand. Le changement de cette vie. Mais tes ennemis là, qui se sont mis en coalition pour te rabaisser. Parce qu'ils voulaient te tuer, mais impossible. Mais impossible de te tuer, ils vont ruiner ta vie. Afin que tu sois mépris sur la terre à partir d'aujourd'hui. Nous les tirons de leur position initiale à terre au nom de Jésus. Mais il y a le Jésus comme. Nous retranchons de leur main leur autorité. Mais les le Jésus force est arrachée de leur main au nom de Jésus. Yaga. Mais toi tu vas bondir. Et dans le dos. Il sera en bas. Nous yaga. Tu seras. Et dans le dos. Et ils vont. Wena yaga. Tu seras en haut. Et dans le dos. Il sera en bas. Merci à vous, hein. Le verset 4. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Oh, m'envoie d'abord nous étaient wise, d'ailleurs dans ton lado, d'ailleurs gabissez.
Boazia doton le do fide nan do do son vile mion e mina nye jete ble ble po wezon po e mina sise jete amen e be po wezon po ma ou nan sise kento tu ele djayi avec la précipitation, l'Éternel va chuter des ennemis. Ceux qui se moquent de toi. Oui, oui, oui. Il dit oui, c'est moi. Et moi, tu sors de là. Pas moi, il n'y a plus quelqu'un. Mais ça, c'est blonde, des bois, personne ne peut plus faire quelque chose. Et non, tu m'aimes des bois, on ne peut pas te connaître, ta famille, la zone tu es meilleur, le quartier tu es meilleur, le haki meilleur, le lendo tu es meilleur, le bête tu es le meilleur, et bien patché. Aujourd'hui, j'adore. Et il y a un mois bien, moins sac mal au tonnerre. Et nous, si ça y est, jeter le Jésus Seigneur. Précipite à terre au nom de Jésus. Et nous, si ça y est, jeter le Jésus Seigneur. Précipite à terre. Et nous, bien fort, tu es gloire le Jésus Seigneur. Alors, moi, ton nous zéwe yaga. Alors, moi, on nous est bête, yaga. Alors, moi, on nous est dio dio de wemé. Alors, moi, on nous est dia ou de wemé. Mais il y a la danse, oui, oui. Ceux qui te menacent. Mais mon autre est couvert. Et il y a aimé, bilouz, à fond, tout la photo, gloire de Jésus, c'est une commune. Bisonni, bouin, dit le Jésus, c'est une commune. Bisonni, bouin, dit le Jésus, c'est une commune. Et il y a une aide, il y a Zopan, oui. Azo est en vol, le Jésus, c'est une commune. Docteur. Écoute, même si la personne ordonne à la lune, il parle au soleil et le soleil obéit. À partir d'aujourd'hui, la lune ne va plus écouter sa voix. Le soleil ne va plus écouter sa voix. Mais si c'est un gardon, nous les précipitons du haut là-bas. Mais what Dieu comme. Et ils sont à terre. N'importe quelle force déployée contre et toi. Mais cela comme un fort. Quelle que soit leur force. Que ce soit est brisé au nom de Jésus. Leur force est brisée ce soir au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé. Le même qu'il était hier. Aujourd'hui, pareil. Donc, un temps debout. N'importe quel ennemi. Il s'est mis en position. Bon, tu ne peux pas faire le prière. Ça là, qui est à destinée, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas aller. Mais aujourd'hui, là, je vais arrêter de t'arriver. Dieu s'est engagé pour changer ta vie. Dieu s'est engagé pour changer ton existant. Non. Dieu s'est engagé pour transformer ton argot en joie. Et lorsque nous allons appeler le nom de Jésus, la dernière fois, les anges vont commencer par œuvrer dans ta vie. Semblerait que je ne parle pas à quelqu'un. Aujourd'hui, ton Dieu va les briser. Vous voyez comment le corps se clore. On ne peut pas ramasser. C'est de cette manière. Et la manière dont la maman est engagée là, c'est on ne peut pas les récupérer. Dieu s'est engagé pour changer ta vie. Ton existence. Et s'est engagé pour t'élever. Pour mettre un changement dans ta vie. Qu'il te soit si, ébé. À partir d'aujourd'hui. Jésus. Jésus. Awanu Oto,
Yeah.
Quand les anges chantent, va voir ce qui se passe. Mais ici, nous avons des gens qui ne savent pas danser. Amen. Alors tu es dié, Jésus, tiens, alors tu es dié. Amen. Fitel me, mama. Ama Clémentine. Gleven. Et non, nous allons le greffer. Où est-ce que nous allons le greffer? Fais-moi. N'est-ce que nous allons le greffer? Et non, ouais. Et je vais vous dire, ok. Ayon. Ti ma so mi an hun wa fi. Amen. Ma o nu donu mi. Que le Seigneur vous bénisse. Dotumi. Écoute-moi. Ti to ma o ton viton le. Le plan de Dieu pour ses enfants. E wa en go sin ni no me Bible mi. Et qu'il quitte leur médiocrité. En go sin taba mi. Il quitte les problèmes. En go sin versice. Il quitte les souffrances. Ni ma bon no yon mi me de ro fi le. Vous voyez si tous ceux qui sont ici sont bénis. Ni ma na je taba ne. Vous n'allez pas avoir de soucis. Vous n'allez pas avoir de soucis. La prière que tu fais. Avec toute force que tu déploies. Je te donne un exemple. Les Africains. Les Américains. Et les Américains. C'est le même Dieu, ils ont. Le même Dieu. Regarde les Africains. 21 jours. Ils vont jeûner pendant 21 jours. 70 jours. Ils vont faire 70 jours de jeûne. Mais Américains, là. Mais les Américains, quand ils commencent leur jeu, les fruits des différents mets sont déjà dans leur frigo. Et quand leur sonne, ils vont regarder le fruit pour aller manger. Mais toi, tu pries matin, midi, soir. Mais eux, ils ne prient pas comme ça. Et le Seigneur les répond là-bas. Mais toi qui transpires, qui pries, qui prie correctement et farouchement, tu n'as rien eu. Pourquoi? Tu ne connais pas la vérité. La vérité, la plus vérité. Ce n'est pas les pauvres qui sont des enfants de Dieu. C'est des riches qui sont des enfants de Dieu. Tu dois avoir la vision d'être riche. La vision d'être riche. D'être grand. D'être grand. Et quand tu as cette vision, avant de s'appeler enfant de Dieu, tout ce que tu demandes au Père, il te donne. Quelle maman ici présentement? Son enfant va demander pain au petit déjeuner. Et il va chercher un bâton pour le taper. Il n'y a pas. Papa de terre. Quel père, son enfant viendra demander quelque chose et il va fermer les oreilles. Non. Et si l'enfant reconnaît son droit et il sait que c'est son père, si je vais, je vais trouver. Et il a la certitude d'obtenir. Il n'a pas besoin de réfléchir ou de tourner en rond. Il n'a même pas besoin de tourner en rond. Ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, il va demander librement. Amen. 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 Mais les gens nous étant si assis sur le filet. Mais ceux qui sont là, ils le disent. Mais la coépouse de leur mère, ils vont. L'homme de nos sœurs, Thomas, sinon Wana. Parce que c'est celui ou celle qui a de coépouse que le père ne peut pas lui faire du bien. Non, non, l'autre femme va dire non. Parce que ce n'est pas son enfant. L'homme de les gens, ils nous assis. Donc, celui ou celle dont le diable est leur coupable, ils vont le chasser du toit de son mari. Ah bah, mais moi, qui est ma vie, et le moins, non, vers vous.
Donc ça, Abba, c'est difficile. Amen. Amen. Abba. Tu ne veux pas. Amen. Amen. Mais quand tu comprends, quand tu comprends droit, c'est ton droit. Tu demandes à Dieu. Et le patake. Et il est. Le capital qu'il te donne. Mais vous bimons. Mais la différence est que. Et au bout centaines d'années. Cho boyero de gosien américain le gon wawa Europe wagos Europe wawa Afrique donc distance elle plus de centaines d'années le message qui quitte les Américains descend en Europe et finalement en Afrique. La distance qui sépare ce message est trop long. Bon, il y a des zéboulados américains. Et il y a des secrets dedans où on a voilé cela en passant des Africains. Vous pouvez vous asseoir. On a déjà zéboulados africains. On n'a pas dévoilé ce secret aux Africains. Africains, il y a beaucoup de zéboulados. Le message qu'on a apporté aux Africains. Oui, mais Jiawena, il sait quoi. Oui, c'est les pauvres, les démunis qui iront au ciel. Et il y a 2 Timothée 6. Mais quand 2 Timothée 6, verset 5, m'a continué. Et l'argent est la racine de tous les maux. 2 Timothée 1, 1er Timothée. Pardon? 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour aussi être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Donc, il y a un peu des événements africains. Voilà le message qu'ils ont donné aux Africains. L'amour de l'argent. Et le donou, tagbalé, bisese. C'est la racine de tous les maux. Bon, mais il y a un peu d'éloignement. Quelqu'un qui va s'éloigner de Dieu. Il ne peut pas aller au ciel. Il va souffrir. Mais le homme est fi. Qui, dans cette salle. Et depuis qu'il était né, il n'a jamais utilisé l'argent ou dépensé l'argent. On n'a jamais confié. Mais ouais. On ne l'a jamais donné 100 francs. Qui? Sans l'argent, tu ne peux rien faire. Sans l'argent, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas t'habiller. Sinon, la mélodie, tu ne peux pas être en bonne santé. Sinon, l'éducation d'agriculture. Tu ne peux non plus éduquer tes enfants. Il n'y a pas l'argent pour que tu puisses les traiter. Tu ne peux pas les traiter correctement. Sans l'argent, tu es limité, tu ne peux rien faire. Mais au moment où Timothée parle de cette manière, il n'avait aucune vision à Dieu. C'est l'argent qui était le problème. Il n'avait même pas une seconde pour donner à Dieu. À tout moment, c'est l'argent. Il n'y a pas dimanche. Il n'y a pas ce jour. Et là, Timothée parle de cette manière. Mais chrétien, Afrique ton Léo. Mais les chrétiens, particulièrement les Africains, on leur a servi ce verset en disant que l'argent est la racine de tous les maux. Et quand on entend parler de l'argent, quelle que soit la valeur, on dit que c'est le diable. Amen. Amen. Oui. L'argent. Mais bon. Sans l'argent, Aïmbetor. Tu n'es pas homme, tu n'existes pas. Alomé, tu es parmi les morts. Alomé, tu n'es pas parmi les vivants. Dans le dandam. Il est indispensable Mandokwe. Que tu aies l'argent. Amen. Amen. Maintenant, bien le danger, le pied. Ils sont ceux qui transpirent ici. Adjadon, vous êtes à l'autre dag. Si peut-être tu transpires, lève ton doigt. Maintenant, bien le danger, le pied. Ils sont ceux qui transpirent par hasard. Mais ne vous jadez pas fier. L'argent. Je crois bien que nous serons ici et la chose qui fait que tu ne transpires pas. Nous aurons déjà les habits mouillés. Amen. 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 Donc l'argent. Et le pataki. C'est capital dans ta vie. Dieu même sans l'argent,
Il gagne les âmes. C'est pourquoi Dieu disait à Abraham, je te bénirai, je te lèverai, je te ferai grand. Il a de l'argent pour faire du grand. Toi qui vois que l'argent c'est le diable, il te serait difficile d'aller au ciel. Il te serait difficile. Il est capital que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Il est indispensable que le Seigneur te bénisse. Dieu ne bénit pas avec chagrin. Il ne bénit pas avec un double cœur. Si Dieu te bénit, c'est fini. L'argent va te cibler. Il n'y aura pas de barrière entre toi et l'argent. L'argent doit venir. Tu dois être en contact avec. L'argent c'est papier. Mais tu as besoin de ce papier pour aller loin, pour faire des exploits, pour la vie de tes enfants, pour ta vie aussi, et pour que la maison de Dieu soit amène. Et pourquoi Dieu instaure la dîme? Ce n'est pas que offrande. Pourquoi Dieu instaure l'offrande? Ce n'est pas l'offre. Pourquoi Dieu sort les différents dons? Ça ne vient pas d'un homme, mais c'est de Dieu. Et Dieu voit que c'est capital, que ces choses viennent dans sa maison. Et au retour, il bénira encore les donateurs. Et dans une version de la Bible, Dieu dit, je vous ai passé ma richesse. Je vous ai prêté. Je vous ai prêté. Et vous allez utiliser. C'est pour Dieu. Et vous a prêté. D'aller utiliser. Dans Somme, ça me dit, tout ce qui est sur la terre, les animaux, tout ce qui est sur la terre, c'est à Dieu. Il a besoin de quoi? Juste à il t'a prêté ces choses. Afin que tu domines et utilises. Tu as besoin d'avoir l'argent. Amen. Amen. Ce n'est pas être riche par le vol, ou bien par les ruses maléfiques ou de diable. Ce n'est pas de cette richesse que nous parlons. Mais quand tu serais à un niveau de niveau, ton péché va diminuer. Amen. 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 Et à cause de l'argent que tu n'as pas, tu es contraint à mentir. Et tu es enfant de Dieu. Et tu vas au ciel et tu mens. À cause de la pauvreté. Si Dieu te donne, à cause de la pauvreté, ce que tu achètes à 100 francs, j'ai acheté ça à 125. Dieu, j'ai acheté ça à 125. Et tu jouis encore. Tu voles 25 francs, tu jouis encore Dieu. À cause de la pauvreté. Voilà que tu as juré. Tu as commis le péché. Comment tu pourrais aller au ciel? Tu ne peux pas. À cause de la pauvreté. Petit péché. Je vais vendre tel chose. Il n'y a pas besoin de dire à quel prix j'ai acheté. Je vais vendre à 500. Si tu ne veux pas acheter, ça fait ton problème, laisse seulement. Mais je veux juste gagner 50 francs là-dessus. Je veux juste gagner 10 francs. C'est le mensonge. Consciemment, tu sais que c'est le mensonge. Et tu sais que ce n'est pas 50 francs. Mais tu parles comme un homme sérieux. 50 francs que je veux gagner. Et tu dis que tu as raison. C'est pourquoi il y a assez d'avance de boutique. Quand le plan est installé, si tu veux, tu achètes. Il ne veut pas donner des détails par rapport au prix d'achat. Tout ce qu'il a dépensé, les formalités. Si tu veux acheter, tu achètes. Si tu ne veux pas acheter, tu laisses. Les petits péchés, les péchés mignons nous éloignent de Dieu. Beaucoup de choses nous différencient des Européens et des autres continents. Nous ne
valorisons pas les petits péchés. Nous minimisons les petits péchés. Mais péché, c'est péché. Et ça t'éloigne de Dieu. Tu vas prier fatigué. Jeûner fatigué. Tu vas l'invoquer fatigué. Fini avec selon toi, tes petits péchés. Pour avoir des visions avec Dieu. Quelqu'un m'écoute. À partir de ce soir. Dieu chante ton niveau au nom de Jésus. Chante ta condition au nom de Jésus. Nous sommes venus à la fin. Demande ce que tu veux dans ton cœur à l'Éternel en une minute. Ce que tu veux que le Seigneur te fasse, demande à Dieu. De Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, te demandons cette nuit ce que tes enfants t'ont demandé, ce qui est le fardeau, ce qui pèse sur leur conscience. Ils t'ont demandé cette chose, Seigneur, accorde-les au nom de Jésus. Fais à tout un chacun d'eux. Donne-le la victoire. Afin que la gloire te soit rendue, Seigneur. Te disons merci. Car tu nous as exaucés. Tu l'as fait. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Va dans la bouche. La grâce du Fils. La communion du Saint-Esprit soit avec toi jusqu'à la fin. Le Jésus Saint. Dans le nom de Jésus. Et dimanche. Ça fait à dimanche. Verset de l'année.